Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un tutoriel d'une coiffure très simple et facile à réaliser. Pour réaliser donc la coiffure, il faut d'abord étirer ses cheveux. J'ai étiré mes cheveux avec une brosse chauffante. Je la trouve plus rapide en termes d'étirement et le rendu sur les cheveux est plus structuré qu'un étirement au fil, car la vapeur détend le cheveu de manière moins agressive et procure souplesse que brillance. Les cheveux sont ainsi doux et revigorés jusqu'aux pointes, ce qui évite les nœuds et la casse et facilite surtout, surtout le coiffage. Au-delà donc d'un simple séchage, la brosse va étirer, embellir, structurer la chevelure et lui donner beaucoup de volume. Comme vous pouvez le constater sur mes cheveux, j'ai été vraiment impressionnée par ce volume. Attention toutefois à ne pas le faire très souvent et surtout à préparer ses cheveux avant le passage de la brosse chauffante en faisant des soins appropriés et en protégeant aussi les cheveux avec un spray thermoprotecteur ou un sérum nourrissant, car oui, la chaleur à long terme peut endommager la fibre capillaire. À bon attendeur, salut! Pour réaliser donc ma coiffure, rien de plus simple, je divise simplement ma chevelure en deux portions presque égales. Je démêle chaque côté pour détendre encore plus les cheveux avant de réaliser une natte collée, pas trop serrée, de chaque côté. J'évite de démarrer la natte au devant de mon visage pour préserver donc mes baby hairs. Pour cela, j'étire légèrement mes cheveux en arrière avant de démarrer la coiffure. Cette technique vous permet d'une part d'éviter d'étirer sur vos baby hairs et d'autre part d'éviter qu'il y ait une tension sur vos racines. Et surtout, n'oubliez pas, la coiffure ne doit pas être serrée, les nattes doivent être lâchées. Keeping me waiting.
around.